Ultrafruits, c'est une entreprise de transformation de canneberge qu'on a démarré en 2005. C'est que des produits faits à base de canneberge du Québec. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis, c'était bien important pour moi de partir ma propre entreprise. J'ai travaillé pour l'entreprise familiale, j'ai acquis une expérience. Puis, dès que j'ai eu une petite mise de fonds, j'ai toujours eu l'idée dans la tête de me partir dans l'agroalimentaire. Je me suis lancé en sachant très bien qu'il y aurait beaucoup d'inconnus. Puis c'est d'adopter une attitude face à ça, que chaque inconnu ou impondérable est une opportunité de relever un défi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de valeurs de liberté qui sont rattachées à ça. On aime être maître, dans le fond, de son horaire, de son destin aussi. D'une certaine façon, tu prends un peu ta vie en main quand tu démarres une entreprise. Dans les premières semaines, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie, que ça répondait vraiment à mes besoins. Puis que j'étais vraiment en train de me réaliser puis de faire ce que j'aimais. Les principaux défis qu'on a affrontés au démarrage, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect financement. C'est la chose qui est la moins plaisante, mais c'est un mal nécessaire. C'est extrêmement important d'avoir un financement adéquat pour mettre de l'avant ses idées. Il faut pas compter son temps. La vaillance, c'est une valeur qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut s'assurer que notre projet d'affaires est vraiment alimenté par une motivation profonde. On compte pas ses heures, mais c'est pas grave, on s'épuise pas parce qu'on est content de faire ce qu'on aime. Moi, je dirais à un jeune qui veut se lancer en affaires de s'écouter soi en partant, de focusser pourquoi il veut se lancer en affaires, sa réponse est là.